nous avons donné l'inauguration du salon Imo Galerie à sa troisième édition. Alhamdoulilah, les deux éditions précédentes ont une réussite totale. La spécificité de cette édition, c'est qu'on trouve parmi les exposants trois promoteurs marocains qui ont innové dans les nouvelles technologies. Ils exposent aujourd'hui des plateformes dont deux spécialisées et dédiées à l'acquisition et la recherche des matériaux de construction. Ça facilite la recherche. Il y en a une qui peut même vous donner le coût de votre projet à l'avance. Il y a Bimomtech, il y a aussi la centrale d'achat. Bimomtech facilite la recherche et nous aide dans le budget prévisionnel pour le projet. Et la centrale d'achat, elle rassemble un certain nombre d'acheteurs à un coût moins cher. Et la troisième, c'est la recherche des biens immobiliers, c'est Yaki. Yaki, maintenant, nous sommes fiers d'avoir ces promoteurs avec nous, ils sont déjà membres de notre fédération, qui inventent ce genre de choses. Et alhamdoulilah, ça m'a dit que c'est très bien, parce que l'avenir de l'immobilier, c'est la digitalisation. Et on peut dire que la promotion marocaine a commencé avec la digitalisation. Et la deuxième spécificité, c'est qu'aujourd'hui, en marge de ce salon, nous allons organiser un forum de discussion. Nous avons invité des ministres et des promoteurs immobiliers de plusieurs pays africains qu'on va partager nos expériences, nos savoir-faire et essayons de travailler sur une collaboration entre nous pour aller mieux dans le secteur immobilier. Aujourd'hui, on est très ravis et très heureux de participer à ce salon. C'est un salon qui va nous permettre d'avoir un contact avec les clients, en même temps qui va nous permettre de promouvoir l'image de la société d'aménagement Znetsa, en quelque sorte la ville Znetsa, la nouvelle ville, l'écocité. Il faut savoir que l'écocité Znetsa, c'est une ville qui est étalée sur 1830 hectares. C'est une ville qui a pour objectif d'accueillir 300 000 habitants, inchallah. Et en même temps, la création d'emplois, l'objectif est de créer 100 000 emplois. On espère, inchallah, qu'on va pouvoir, c'est-à-dire communiquer ces informations et parler de Znetsa aux clients qui vont venir au salon. Ou, inchallah, on sera pour l'édition de l'AMG, qui fait maintenant l'édition de l'AMLIFET.